Cette fois, y'en a marre et Kamel doit tricher. Puis pas de chemin, on est dans une boîte à la mode. Soirée privée, messieurs, on est rentrés à pied. Faut pas traiter les videurs de pédales, j'ai l'épaule éboîtée. Tu le vois ça, avec ou sans toi, je refais ma vie, tant pis. Samy a préparé des acras de morue au goût de gésier. J'ai bien fait de pas manger. Tout est vrai. Le voisin du dessous n'aime pas le sport. Il veut plus qu'on joue à la pétanque la nuit. Après, j'ai eu 30 ans. Alors j'en ai fait une chanson parce que j'étais déjà égocentrique et prétentieux, alors que je n'avais pas encore effectué ce parcours d'exception. Cette odyssée, osons le mot, cette légende. D'ailleurs, parfois, il m'arrive de me demander qui va jouer dans mon biopic. Un simple dans la cuisine, face à l'évier, face à la mer. Week-end en Bretagne, c'est mon anniversaire. Où sont les assiettes? Où sont les couverts? Elles sentent pas un peu bizarre, les prêts. Encore si beau, riche d'huîtres à ouvrir. Ce qui nous fait 72 bonnes raisons d'avoir des points de suture. Les filles sont dans le salon parce qu'ailleurs c'est masculin. Où sont les féministes quand il s'agit de s'ouvrir les mains? Bon anniversaire, petit trentenaire. On entame l'éternel feu tout bidon avec des poteaux de but en blouson. On va discuter le score en crachant nos poumons et jurer de s'arrêter de fumer pour de bon. J'ai besoin d'être seul, je marche face à l'océan histoire de faire le point au contact des éléments. Mais tout ce que j'en conclus, je dois pas être un poète, c'est que ça doit être chiant, très chiant d'être une mouette. Bon anniversaire, petit trentenaire. C'était l'époque où on se perdait beaucoup en bagnole parce qu'il n'y avait pas encore de GPS. Il n'y avait pas non plus d'ABS. En fait, il n'y avait pas d'initiales à l'époque. À part PPDA, mais en bagnole, ça sert à rien. À 4 sur la banquette arrière, assis dans une petite voiture. On tourne maintenant depuis 2 heures. Cette fête, elle est bien quelque part. L'itinéraire est formel. On aurait dû depuis longtemps quitter la nationale. Qu'est-ce qu'on fout à Orléans? Ça déprime le conducteur qui n'avait déjà pas le moral. Une femme lui a brisé le cœur. Nous on le soutient, c'est normal. Elle n'était pas digne de toi. Faut surtout pas que tu la regrettes. En plus, elle te trompait. On le sait, on s'est tous fait. C'est à ce moment-là que Télérama et France Inter ont commencé à prendre leur distance. Déjà lavé en pyjama, qui me raconte les déclinettes. En grave, parce que demain y'a pas école. Vaillante, Sacha Distel. Playback et pas téléphone. Roux flaquette et costume blanc. Ils avaient les beaux habits qu'ils doivent regretter amèrement aujourd'hui. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Alors comme mes rapports avec la presse de merde, culturelle ne s'arrangeaient pas, dans un souci d'apaisement, j'ai fait une chanson qui leur était destinée. J'aime mes enfants, j'aime mes parents, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre. La misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct?
moi je t'emmerde. Ensuite j'ai raconté sans pudeur mes nombreux échecs amoureux. On a tous essuyé les refus. Ça tâne le cuir des séducteurs. Ça peut faire très mal de séduire. Que c'est vulnérable un dragueur. C'est très salissant l'amour propre. Surtout quand le lion prend la fuite pour séparer une antilope qui d'un coup de patte le décapite. Merde, je me suis planté. Heureusement que j'ai pas fait ça hier à Rennes parce que le public est très... Non mais hier c'était important, mais demain on joue à Caen, c'est encore plus important. Donc on en profite pour répéter des trucs là ce soir. Y'a le râteau héroïque qui se ramasse en public. Le râteau point souris, t'es lourd maintenant ça suffit. Le râteau dit Alzheimer, c'est la même fille que tout à l'heure. Le râteau de la méduse, pour le jeu de mots je m'excuse. Bon, je parlais pas que de mes propres déboires, je racontais aussi ceux de mes copains. Je sais bien Muriel que ça ne me regarde pas. Tu l'as foutu dehors, et je respecte ton choix. Mais il voudrait revenir, d'accord, j'insiste pas. C'est mon ami quand même, non c'est pas lui qui m'envoie. Ça me fait de la peine, vous alliez si bien ensemble. 6 ans de vie commune, mais je veux pas le défendre. Avec tout ce que vous avez vécu, avoue que c'est dommage. Et je te dis pas combien il souffre, ce serait du chantage. Muriel, je t'en prie, je t'en supplie, dis-lui oui, dis-lui oui. Tu l'as quitté, il habite chez moi. Je peux plus supporter Muriel et de moi. Pour remédier à ce célibat très involontaire, j'ai fait un saut. Rien.
Alors c'est l'amour avec un grand A. Alors j'insiste sur cette phrase. Hein. C'est la plus importante du concert. Attention, attention. Alors c'est l'amour avec un grand A. Te voilà contente avec un grand con. Faut reconnaître que t'es pas non plus une cérébrale. Tu croyais qu'un stéréotype c'est un mec avec un Walkman. Alors je m'en veux. Avec le recul, je m'en veux. Non, franchement, parce que je regrette, parce que cette fille, d'ailleurs, elle était pas si bête que ça. Du tout. Au contraire, elle avait beaucoup de bon sens. D'ailleurs, je me souviens, elle disait souvent cette phrase que j'ai retenue. Elle disait, tu sais, l'horoscope, eh ben, c'est pas fiable à 100%. Après, j'ai rencontré l'amour. Le vrai et le grand. Alors comme tous les chanteurs dans ces cas-là, bah, j'ai composé une chanson pour exprimer la fragilité des premiers moments, la délicatesse des sentiments. Plusieurs indices m'ont mis la puce à l'oreille, j'ouvre l'œil. Je vais faire une enquête pour en avoir le cœur net, ça m'inquiète. Il y a des détails qui trompent pas. Les draps, la couette et la tête d'oreiller sont plus dépareillés. Et à côté de mes fringants boules, il y a des vêtements pliés et repassés. Il y a des détails qui trompent pas. Je crois qu'il y a une fille qui habite chez moi. Deux brosses à dents dans la salle de bain. Du savon sans savon. Et ses cheveux, c'est certainement pas le mien. Des petites boules bizarres pour parfumer la baignoire. C'était un vrai cauchemar. Quelqu'un a massacré tous mes amis cafards. Après, ça a été l'escalade dans la marginalité et dans la rébellion. J'étais devenu un fou, un dingue, un punk à chien. D'ailleurs, curieusement, j'étais plutôt un punk à chat. Et puis, jusqu'au jour où j'ai acheté un monospace, elle m'a dompté comme on dompte un animal sauvage. J'étais crin blanc. Elle a fait de moi Polly le petit bonnet. Elle me manipule. Elle ondule et moi je roucoule. Quand elle demande la lune, j'y peux rien mais j'ulule. Elle est tellement pure, inconcentrée de femme idéale. En la diluant dans l'eau, on pourrait faire dix filles normales. Ce n'est qu'une petite chanson d'amour de plus. Quand je pense à elle, de drôles de choses se passent. Parfois je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille, au volant d'un monospace. Avec un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet. Et un truc très pratique pour ranger les pièces de monnaie. Ce qui devait arriver, arriva. Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà plusieurs jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse, la voilà. Demain, le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les
Oui, j'en ai fait tellement. Viendront te réveiller, fais dodo. Pourquoi tu dors pas? Demain, il faut que je me lève tôt. J'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, et puis surtout t'arrêtes de me faire chier au dos. Dors, bordel, pourquoi tu dors pas? Dors, laisse dormir. Et toutes ces chansons m'ont inspiré celle-ci.